Bonjour, une nouvelle vidéo de C'est Galin Normand. Donc là, je suis en train de remettre en route un broyeur de végétaux. Donc c'est un ancien broyeur. Alors, j'ai pas trouvé la marque. C'est un série S 2210, puissance 2200 watts. Donc c'est un broyeur que j'ai récupéré et qui faisait disjoncter systématiquement le tableau électrique. Donc voilà, donc c'est un broyeur qui a peu étudié. Peu été utilisé, par contre qui était stocké dans de mauvaises conditions. Il est énormément rouillé, etc. À l'intérieur, il y avait un nid de souris ou de rats, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai nettoyé, je l'ai ouvert. Alors je pensais que c'était le condensateur ou un problème électrique au niveau du moteur. En fait, c'est tout simplement le moteur qui était bloqué. La plupart des broyeurs ont ce problème-là, même des broyeurs récents, si vous ne les nettoyez pas, graissez pas régulièrement, ben, les végétaux finissent par s'accumuler dans les endroits, se collent, et puis du coup au démarrage, ben, ça vous fait un trop gros appel de courant et du coup votre compteur disjoncte. Donc je l'ai démonté, je l'ai relubrifié, donc là il fonctionne. Il y a un deuxième problème, alors je ne sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir. Voilà. Donc, pour l'ouvrir, vous avez cette petite vis là qui vient se visser ici. Et la tige qui est là, je ne sais pas si on voit bien, vient appuyer sur un petit bouton qui est dans la partie interrupteur. Donc c'est une sécurité pour pas pouvoir l'ouvrir quand il est en fonctionnement. Donc j'avais aussi ce petit truc là qui n'appuyait pas sur le bouton parce qu'il y avait tellement de saleté ici autour qui empêchait comment dire, le fonctionnement. Voilà. Donc là je l'ai nettoyé, je l'ai un peu passé au WD-40 pour que ça soit un petit peu moins humide. Je repeindrai peut-être certaines parties, je sais pas, je vais voir. Bon là il tourne. Il n'y a pas de jeu dans les roulements, mais je pense que les roulements ont quand même pris un petit pet. Voilà, donc je ne vais pas passer trop de temps non plus dessus. Peut-être repeindre un peu les 2-3 parties qui sont abîmées. Et l'entonnoir dessus, mais j'ai peur malheureusement que le moteur dure pas très longtemps. Donc je ne sais pas quelle est. J'ai pas trouvé sur internet de référence là-dessus. Donc pour retrouver un moteur, c'était pas évident. Voilà. Alors il y a un joint à lèvres ici là. Voilà. Avec une forme conique qui permet d'éjecter les saletés vers l'extérieur. Mais voilà. Les saletés finissent par s'accumuler dedans. Bah, l'humidité rentre et puis, du coup ça vous bloque le roulement. Et du coup, comment dire, le moteur s'arrête. Donc là, je l'ai dégraissé. Il fonctionne bien, mais l'idéal, ce serait de changer le roulement, quoi. Mais vu la conception, je pense que ça va. Je risque de faire plus de mal que de bien. Voilà. Alors c'est un broyeur à couteau comme ça. Donc avec des couteaux. Voilà. Donc j'aime pas trop ces broyeurs-là. Ça fait un petit peu plus de bruit que les broyeurs, on va dire, avec sorte d'engrenage là. C'est peut-être un peu plus rapide, bon, je verrai. Voilà. Alors pour le démonter. Pour le démonter, c'est un petit peu pour le démonter. Donc là, vous avez un écrou ici qui vient se visser là. Donc, il faut une clé de 30 pour le desserrer. Donc là, j'ai un petit peu galéré parce qu'il était quand même bien serré. Faut pouvoir bloquer le plateau, quoi. Donc le plateau, ici vous avez une fente, j'ai réussi à mettre un fer plat. Mettre un fer plat. Attends, je vais monter comme ça. Donc, vous mettez dans cette position-là. J'ai pas vu de blocage nulle part. Hein. J'ai mis un fer plat ici, que j'ai maintenu avec une pince à ce niveau-là. Hein. Pince et tout. Et puis j'ai réussi à le desserrer. C'est un pas à gauche. Hein. Donc pour pouvoir serrer, il faut le desserrer en fait. Pour pouvoir desserrer, il faut serrer. Voilà. On va se faire avoir. Donc voilà. Pour pas que l'écrou s'arrache pendant le fonctionnement, vous avez une petite vis avec un écrou nil-stop qui vient se mettre ici, qui empêche que si l'écrou se desserre, ça puisse pas se démonter. Voilà. Voilà, c'est tout. Si vous avez ce modèle-là, ça peut être une possibilité de panne. Hein. Donc dedans, vous avez un condensateur. Aussi qui peut éventuellement être abîmé, du coup ne vous donne pas l'impulsion démarrage. Là c'est pas le cas. Pour démonter, pour arriver au moteur, vous avez
Alors, j'ai pas remis toutes les vis encore. Vous avez une vis ici, une vis là, une vis là et une vis là. Donc ça vous enlève le cache qui est là, toute la partie plastique. Et pour démonter le moteur, vous avez ces quatre vis là. Donc tout tombe, il n'y a pas de fil accroché, etc. Tout reste accroché. Ensuite, comment dire, c'est au niveau câblage, c'est assez mal fichu. Tout est soudé. Donc c'est pas forcément super super simple à dépanner après. Donc voilà, bah, je vais le remettre un peu en état. Je vais vous faire une vidéo en fonctionnement. Voilà. Je vais le refermer. Donc, je souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.